Aujourd'hui, galette des rois à la crème d'amande. Bonjour, je suis Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare ma crème amande en mélangeant du beurre, du sucre, des œufs. Je mélange une première fois, puis j'ajoute ma poudre d'amande et un soupçon de rhum. Je mélange bien et je mets cette crème en poche. J'étale ma pâte feuilletée. J'ai décidé de faire une galette des rois carrée, donc j'utilise un cadre à opéra pour cela. Je définis les mesures de ma galette. Puis je poche ma crème amande. Pour les fèves, j'ai choisi des fèves de chez Art Fun. L'avantage, c'est que dans certaines fèves, on peut les transformer en petits pendentifs. Je mets mes deux fèves. À l'aide d'un pinceau, j'humidifie les côtés de ma galette. Je recouvre d'une seconde pâte feuilletée. J'arrase les côtés pour avoir une galette bien carrée. Et je laisse reposer minimum une heure au frais. Au bout d'une heure, je réalise une dorure avec un jaune d'œuf et du lait. Je glace bien ma galette sur tous les côtés. Avec la lame d'un couteau, je réalise mon décor. Et j'enfourne pour 40 minutes à 170 degrés. Ma galette est généreusement garnie et la pâte feuilletée bien croustillante. C'était ma recette de galette des rois à la frangipane. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.